consigne soit bien appliquée. Le méoté. On va installer des petits triangles et jouer sur la profondeur avec Noah Fatar. Très bon ballon pour Fatar qui arrive à enclencher sa frappe et buter sur Sanou. Pas de faute, pas de pénalty pour lui. Mais un corner à venir à la 25e minute. Et Thiago Castro pour ce coup franc qui arrive au second poteau. Et Tondé se fait subtiliser le ballon arraché à la dernière seconde par Stessy Missiatou. Ça peut être frappé direct, ça peut être combiné avec expérience et finalement frappé directement sur Sanou qui repousse le ballon. Seconde chance avec la frappe aussi de Renaud Contré. Deux tentatives coup sur coup qui augmentent un petit peu l'échelle du danger sur le but de Germain Sanou. Et le centre ensuite pour la tête de Noah Fatar. Sanou encore, ça cadre, c'est de plus en plus dangereux, mais ça ne marque pas encore à Cholet. Sur ce point-là. Les ballons perdus au milieu de terrain commencent à s'additionner aussi côté parisien. Très belle récupération de Fatar. Fred Njoy, toujours la frappe du pied gauche. Oh, quel arrêt de Germain Sanou. M'a opposé alors qu'il était pris à contre-pied. 42e minute, c'est peut-être l'un des plus beaux arrêts de la saison qu'on vient de voir. Corner de Thiago Castro, second poteau avec Kalou, qui est sanctionné pour la première faute dans la surface de réparation. Et le Méoté parvient quand même à jouer vite le coup franc. Mais on n'ira pas plus loin dans cette première période. Agréable, oui, il est vrai. 7 tentatives du SO Cholet, 5 cadrés, un énorme arrêt de Germain Sanou, mais 0-0 à la pause. Le SO Cholet ne va donc pas, cette saison, ouvrir son compteur de « je mène enfin à l'extérieur à la pause ». On reste à 0. Et Renaud qui échappe à la faute de Castro, retour à l'intérieur du jeu pour semer d'excès. Il a beaucoup d'espace là, Tom Renaud. Et pourquoi pas aller tout seul? Et pourquoi pas y aller tout seul? Lorsque collectivement Cholet n'y arrive pas, il y a toujours l'individualité qui vient sauver l'équipe, qui vient lui permettre de prendre l'avantage. Et cette fois-ci, c'est Tom Renaud tout seul qui échappe à un premier contact, un second contact. Il y va tout seul sur 50 mètres et premier but du match à la 50e minute. Et quel but pour Renaud. Ouais, si c'est pour le coup franc, superbement volé de Valette. 52e minute, la réaction immédiate des Parisiens. Et là encore, dans les duels de gardiens, on a des top arrêts ce soir. L'un des meilleurs passeurs du championnat national pour mettre ce ballon dans la surface de réparation, prendre le poteau. La seconde chance sans position de hors-jeu. Break fait enfin pour le SO Cholet à la 57e minute de jeu. Tout aura basculé sur deux ballons, sur deux coups francs. Et je vous rappelle, hein, en fin de saison, puisqu'on parle de barrage, bah, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est très simple cette saison. C'est avec, avec la réforme. Allez, second ballon avec Castro, la frappe. Oh, quelle est belle cette réaction de Thiago Castro. Il y a quelques instants, il réclamait le pénalty. Là, il n'y a aucune contestation possible. Demi-volée imparable. Intéressante aussi l'entrée de Sami Farage, voilà, pour aller percuter, apporter quelques solutions éventuellement à l'intérieur du jeu. Tant qu'il n'y a pas de... pas ce qu'on qualifiera de téléphoner. Pas de faute sur Bridget Dilou. Très bien arbitré là aussi. D'excès. Farage. Avec ce centre de Farage et repoussé directement sur Aitmoujane avec la frappe du pied gauche. L'arrêt encore de Baptiste Valette. Mise au sol rapide, fermeture du poteau, tout y était sur cet arrêt. Et ce long ballon long, coup franc vers la tête de Fred Njai, c'est finalement la reprise. Oh, quelle est belle là aussi. Pure la volée, un peu comme celle de Thiago Castro, sauf que cette fois-ci, c'est pas pour réduire l'écart, bien au contraire, c'est pour reprendre l'avance de deux buts. Milan Robin, absolument parfait, lui qui se disait en jambes bien après avoir connu des blessures. Et bien il est récompensé avec ce but. 3-1 pour Cholet, 65e minute. Le quatrième rentrant pour le Méoté. Yann Le Méoté fort au second poteau. Ouais, possibilité de partir en compte finalement pour les Parisiens. Ballon ressorti par Karamoko. L'accélération d'Adama Sidibé. Pas de position de hors-jeu pour Cheikh Fontamadi. Diarra qui bute encore sur Baptiste Valette. Très très concentré malgré sur les décisions personnelles. Ouais, regardez comment Farage va encore passer. Farage dans la surface de réparation. Centre fort devant le but. Second poteau cette fois-ci de la présence avec Oumar Sidibé qui enchaîne sur la barre transversale.
Les petits détails qui font la différence. Encore à la 86e minute, un Montant qui repousse la tentative parisienne, la possibilité de réduire l'écart d'un but, et surtout le centre de Missiatou au second poteau. Yankouba Jarjou disponible 10 secondes plus tard. Noah Fatar déjà à l'entrée de la surface de réparation vers Fred Njai, ballon ressorti d'un but à l'autre. Cette impression de point de rupture, on est en plein dedans. L'entrée intéressante aussi de Farage, qui trouve une bonne solution dans la surface de réparation avec Cheikh Fontama Didira pour le centre. Et derrière, la mise en action de Moussa Diarra qui bute encore sur Baptiste Valette. 10 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Valette encore présent pour faire l'arrêt alors que l'on aura 4 minutes de temps additionnel au minimum.